chaîne. Aujourd'hui, je vous emporte encore dans ma cuisine. Nous allons faire ce poulet. C'est un poulet dur, tu le verras. Là, je vais passer à le découper, le laver et le mettre dans la marmite. Voici notre poulet qui est au feu. Le poulet est bien lavé et il a été lavé avec le vinaigre et le cidre. Là, je viens juste ajouter les condiments écrasés avec un peu de sel. Je n'ajouterai pas de l'eau dans mon poulet parce que je préparerai ce poulet juste avec son propre eau. Et je ferai aujourd'hui du poulet rôti. Là, ensemble, nous allons voir comment notre poulet est en train d'évoluer. Je vais ouvrir ma marmite. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a encore de l'eau. Et ça, c'est son propre eau en fait. Je n'ai rien ajouté. On referme, on laisse bouillir. Nous allons regarder encore notre poulet et le poulet. Là, ce sont nos condiments qui sont bien lavés que nous allons mettre dans notre poulet. Nous avons du poireau, du persil, poivron, ciboule, oignon, l'ail. Là, nous allons regarder notre marmite. Comme vous pouvez le voir, l'eau a séché. Retournez. Là, il y a que de l'huile. Puisque nous voulons un poulet rôti, on grille notre poulet avec son propre huile dans la marmite. Ça sent tellement bon. On va fermer, on attend encore. J'ai juste coupé nos condiments en dés, des gros morceaux, parce que j'aimerais pas que ça soit les petits morceaux. Et là, nous avons le poivre blanc, parce que moi, mon poivre vient d'Afrique et je l'écrase, je mets ici. Là, c'est le gingembre qui vient aussi de l'Afrique. C'est mélangé avec de l'ail écrasé que j'avais acheté en France. Et là, c'est les condiments secrets que je vais aussi mettre dans notre poulet. Et nous revoilà. Nous allons mettre nos condiments. Je lance les deux petits cubes. Mets nos condiments et le feu, il faut diminuer votre feu, hein, feu doux. Là, j'ai mis mon feu à 4, je vais encore même le baisser à 3 pour que mes condiments puissent bien cuire. On met les condiments. On met nos condiments. Ça, c'est ce qu'on appelle poulet rôti. Je passe au secret. Je vais mettre tout un tout petit peu. Le gingembre. Et là, c'est le poivre blanc. Après, je vais tout. Vous voyez comment le poulet devient. Nos condiments doivent bien cuire et donner le goût à notre poulet. Donc là, c'est avec le feu doux, je vais laisser cuire nos condiments. À tout à l'heure. Nous allons regarder encore notre poulet.
dans le tour doucement. Au lieu de prendre votre temps, faire bouillir, griller, passer à gauche, à droite, non, vous pouvez le faire juste dans la même marmite. Là, j'attends juste que nos condiments puissent bien cuire. Le chai, c'est bon. On attend. Checkons encore notre poulet. Là, je crois que notre poulet est bon. Parce qu'il faudrait pas aussi que les oignons soient trop secs. Pour que le jus reste le goût. Regardez, là c'est notre poulet. Notre poulet est prêt. Ne faites pas souvent le mécon. Préparez chez vous. Mangez bien. Ne passez pas votre temps à commander le takeaway à tout moment. Non. Prenez les casseroles, mettez-vous au fourneau, préparez. Mangez. Moi, j'aime manger. Quand je dis je veux bien manger, je me mets en cuisine, je prépare et je mange ma chose. Mangez. Et faites la cuisine. Pas de takeaway à tout moment. Je commande aussi faire le takeaway, mais pas à tout moment. J'aime préparer. Donc, comme je vous ai dit, notre poulet est prêt. Comme vous pouvez le voir, il y a notre poulet. À tout à l'heure, je vais vous présenter mon plat. Bisous. Chers amis, je vous présente mon plat. Voici alors notre poulet rôti. Là, j'ai fait une salade de tomates, haricots verts et maïs. Là, nous avons de la tchéké, forme abricot, ça vient de la Côte d'Ivoire. Là, nous avons aloco plantain. Et là, c'est notre poulet rôti. J'espère que vous avez enjoy ce moment de cuisine. On se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao, bon appétit.